قال فيقول محمد الخضاري ابن المرحوم الشيخ عفيف الباجوري كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تاريخ السالفين وقصص الغابرين وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. L'auteur dit, rahmahullah, cela dit, Muhammad al-Khudari, le fils du regretté Cheikh Afifi al-Bajuri, dit ceci. Donc là, l'auteur dit, un tel dit ceci, mais le un tel, c'est lui-même, il parle de lui à la troisième personne, ici, par modestie. C'est une manière et c'est une démarche qu'affectent les auteurs de sciences islamiques et les différents rédacteurs. Ça dépend des époques aussi. Les contemporains et les plus récents, les muta'akhirun, ont procédé ainsi. De parler d'eux à la troisième personne en disant « yaqulu » et ils parlent en fait au nom d'eux-mêmes en disant « il a dit un tel ». Donc Muhammad al-Khudari, lui-même qui est l'auteur du livre, le fils du regretté Cheikh Afifi al-Bajuri. Donc al-marhum, le traducteur a dit « regretté ». Al-marhum, précisément, ce qu'on a voulu ici, c'est celui dont on fait miséricorde, al-marhum, celui qui a notre rahma du fait qu'il est décédé, rahmahullah. Donc là, nous parlons du père de l'auteur. Dit, donc l'auteur dit ceci, « Depuis ma plus tendre enfance, j'éprouvais un grand plaisir à lire les biographies des pieux anciens et les récits des personnes disparues. Je considère leur lecture comme le plus grand des éducateurs et comme le plus sincère des maîtres. » De quoi parle-t-il? Il parle de la lecture des textes et des récits des personnes de vertu de la religion, et à plus forte raison, celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il considère comme étant des éducateurs. Quoi donc? Les biographies, les récits et les biographies des maîtres et des hommes de cette religion, et à plus forte raison, celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lire ceci est une éducation. Tout comme nous le savons, nous sommes censés faire attention avec qui nous traînons. Les personnes dépendent de la compagnie qu'elles ont. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, falyanzur ahadukum man yukhallil. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Naam. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Le prophète nous a dit que l'individu dépend de ceux qui l'accompagnent ou celui qui l'accompagne. Autrement dit, son comportement à Zayd, il ressemblera au comportement de Amr si Amr accompagne Zayd. Pourquoi est-ce que je parle de ceci? J'en viens au fait. Parce qu'à notre époque, ou par exemple en Europe, il n'est pas toujours aisé d'avoir une compagnie souhaitable du point de vue religieuse ou spirituel, eh bien, il est possible de trouver des ressources ailleurs que dans une simple compagnie, parce que ceci peut faire défaut, ça peut être délicat. Quelle compagnie on peut trouver? Eh bien, celle dont a parlé l'auteur ici, rahimahullah, l'auteur de cette biographie qui a commencé son introduction. La compagnie des livres, mais des livres lesquels? Les livres d'histoire. Les livres d'histoire et les récits biographiques des grands hommes et des grandes femmes de la religion. Et au-delà de tout ça, et au-devant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui n'a pas vécu avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Nous avons dit lors de l'introduction il y a 2 semaines que quelqu'un n'ayant pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui reste une de deux choses, une chose au sein de deux. Parce que quelqu'un qui a vécu avec lui, alors il a al-mushahada ou al-ishhad, il a en lui-même un témoignage vivant du maître de la du maître des créateurs des créatures, lapsus, celui qui a été envoyé par miséricorde pour les mondes. Non. Il peut témoigner de l'existence et de la ressource qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est témoin de sa lumière, de sa nouriyati. Mais celui qui n'a pas pu faire ceci, qui est peut-être qui est né après, juste la génération d'après, ou qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer et de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il n'est pas un compagnon, mais il a cru sans avoir rencontré le prophète, alors lui il a al-athar, il a les traces, il lui reste les traces. Donc les traces, c'est pour les personnes qui n'ont pas al-mushahada. Al-athar liman la mushahadata lahu,
et ceux qui n'ont pas les traces, donc ceux qui n'ont pas, ne serait-ce que les bribes, les restes matériels du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tels que les indications des compagnons ou des tabi'in ou des atba'at tabi'in, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est passé ici, il a fait tant de raka'a à cet endroit. Regarde, j'ai encore avec moi ou au sein de telle famille la djoubba du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien j'ai dans tel endroit la disposition de qui le souhaite, une des épées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ceci peut paraître plus délicat à obtenir. Eh bien, il reste tout de même autre chose, al-mudhakara, ou bien al-zikra, le rappel, ou bien al-tazkir. D'accord? Donc, al-mudhakara, liman, laysa lahu athar, wal-athar, liman, laysa lahu mushahada. La révision, le fait de s'imprégner des traces, parce qu'on n'a pas les traces, mais on a les résultats et on a la science qui en émane, et on a ce rizq, cette subsistance qu'Allah nous a accordée, qui est telle que la science, et la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons. Ceci fait partie du rizq. Le hadith est un rizq. La science est un rizq. Non, tout comme la nourriture et l'eau est un rizq. Et Abu Hanifa, Norman, radiallahu anhu, nous a dit que, et il nous l'a dit, mais il a dit ceci, mais nous le savons, c'est une confirmation, que les gens ont plus besoin de religion qu'ils n'ont besoin d'eau et de nourriture, au sens du jugement divin, bien sûr, du point de vue de la religion et de la spiritualité. Nous ne parlons pas des besoins physionomiques, nous parlons des besoins du point de vue de la vérité de l'être humain sur Terre. L'être humain sur Terre a davantage besoin de religion qu'il n'a besoin de nourriture et d'eau. Non. Nous revenons au sujet. Celui qui n'a pas de mushahada, il a peut-être les traces. Mais celui qui n'a pas les traces non plus, il a al-muzakara, ce que nous autres avons, et peut-être certains aussi ont quelques athar de quelque chose. Non.